S'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. Reviens par la distance, qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. S'il vous plaît, reculez, 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 reculez. Je vous rassurer que c'est une continuité de l'administration en quelque sorte, mais peut-être avec une autre allure. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques heures de cela, on a malheureusement troublé vos sommeils paisibles. De la ville de Ouagadougou par le bruit des arbres. Nous nous en excusons beaucoup. On ne souhaite pas, on n'a jamais souhaité, mais c'est aussi les circonstances de la vie comme ça. Donc, nous vous présentons nos excuses à vous et à tous les Ouagadougouas pour le bruit des arbres. Cela a lieu parce que certaines choses ne fonctionnent pas bien. Nous avons constaté et que nous allons aussi vous dire ici. On a l'art de toujours rejeter la faute sur d'autres continents. Je crois que la plupart de vous ici sont plus anciens que moi. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que il ne faut pas changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc, chacun à son niveau. Doit pouvoir aller plus vite et abandonner les nouvelles administratives inutiles. Là. Je ne pourrais même pas citer tel point, tel point, tel point où il faut être rapide. C'est tout le point. Le point est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. D'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères pour examiner un à un. Je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider la diligence. Peut-être que LG va compiler cela. Je sais que vous utilisez des pick-up land cruisers dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sur vos hangars, peut-être qui n'ont rien, mais qui ont peut-être juste des petites pannes répertoriées pour faire le point général. Nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut avoir ce point mardi ou plus tard? Parce que nous allons les réquisitionner sûrement pour d'autres fins. Donc, on va vous inviter encore une fois de plus le travail à une vitesse plus rapide. Nous sommes en octobre. L'année est bientôt finie. Mais supposez que ça commence. Dans les 3 mois, nous devons pouvoir faire ce que nous devrions faire dans les 12 mois. Là. Donc, une fois de plus, je vous en prie, les nouvelles administratives. Pour nous en épargner. Il y a des gens aussi dans les ministères qui ont l'art de chaque fois prendre les dossiers, les poser, de ne pas les traiter, ou souvent même qui osent demander autre chose avant de les traiter. Donc, repérez ces gens et agissez. Quand on
vient au travail le matin et qu'on doit repartir le soir, il n'y a pas de raison que votre bien-aimé garde autre chose dans les tiroirs et que ça traîne. Trop de dossiers traînent. Ce n'est pas normal. Nous le disons parce que nous partons dans beaucoup d'administrations, il y a trop de frustration. Donc, les éléments, il faut les accélérer. D'accord? Donc, c'est l'invite que nous avons, a priori. Donc, comme je disais, une prise de contact, commencez à faire le point. Quand j'ai dit le point global, étape par étape dans mon ministère, que nous en aurons besoin sûrement au cours de la semaine. Donc, en attendant, le mardi, je vais le point de ces types de véhicules que nous appelons les Land Cruiser. C'est le cas. Qu'elles soient en panne ou une heure ou quoi, répertorier tout. D'autres mesures viendront sur moi. Mais tout ce qui pourra contribuer au combat, localement trouvé, nous irons nous battre avec. D'accord? C'est bon? Donc, comme je disais, donc, c'est une prise de contact. Nous n'allons pas traîner, sinon que nous n'allons même pas traîner chaque fois. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. C'est vrai qu'on ne sait pas étaler sur pourquoi tout ce qui est arrivé. Mais pour ce qui vous concerne, vous avez su un peu le pourquoi. Oui. Oui, allez-y. Salut Ibrahima, ministère de l'Éducation nationale. Okay. La rentrée est prévue pour nous demain. Oui. Nous avons une urgence et nous attendons des instructions par rapport à cela. Est-ce que nous devons la reporter ou alors nous la maintenons pour demain? D'accord. Ok. Je pense que les événements que vous avez connus ces deux jours ont connu un dénouement ces dernières heures, ce qui nous amène devant vous. Donc, on a dit donc de reprendre les activités et de continuer l'administration. Donc, je pense que les enfants peuvent repartir à l'école. Les instructions seront données donc, aux différentes structures de sécurité pour aussi assurer un minimum de sécurité dans la ville. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes particulières? Oui. Madame Kabore, Bouda Dixi, secrétaire général d'Action humanitaire. Et nous, notre contrainte majeure, c'est comment faire pour que les murs arrivent dans le Sahel. On a entendu qu'aujourd'hui, elle dit que ça marche. Bon, une femme était venue pleurer la semaine dernière au bureau, c'était la représentante des femmes de Yara. Les gens sont en train de mourir. On a fait tout ce qu'on pouvait, et comme vous avez, tout le monde ne sait pas arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes prêts à tout moment. Les villes sont là. Si on dit, même ce soir à minuit, on est prêt, mais comment on va faire pour que ça arrive? C'est notre préoccupation principale. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est l'une des préoccupations majeures aussi. Il n'y a pas de raison que les gens meurent de faim. Donc, notamment les camions et les escortes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'un des points urgents que nous avons traité. Et nous allons tout faire pour trouver des solutions rapidement. Et tant que les lieux sont disponibles, nous devons être prêts à les allumer partout. Donc nous vous reviendrons pour ça dans les heures qui suivent. Merci beaucoup.
François Bonaventure Vazier, particulier, justement pour en venir à la question de madame, si je peux me permettre, on avait proposé des solutions concrètes, mais je voudrais les proposer en privé. Je suis un vétéran, je ne dirai pas le pays pour l'instant, et depuis quand même 6-8 mois, nous avons fait des propositions concrètes. Comment acheminer les vivres si les terrains sont minés? Nous n'avons pas été écoutés. Donc je voudrais faire la proposition qui est pertinente, mais en privé, parce que les questions de défense n'ont pas forcément besoin d'être écoutées. Monsieur Bonaventure. Vazier. Et si je peux me permettre, mon capitaine, c'est un point aussi assez urgent. La société pour laquelle je travaille, nous avions remporté l'appel d'offres pour construire le chemin de fer de la côte atlantique jusqu'à Ouagadougou. Le nouveau chemin de fer. Vous pourrez vous référer peut-être au secrétaire général du ministère des Transports. Le dossier piétine depuis 6-7 mois. Et nos investisseurs nous ont donné un délai pour ce financement d'à peu près 3 milliards de dollars. Nous ne voulons pas que le Burkina Faso perde cette opportunité et que le projet aille plutôt au pays qui est sur la côte atlantique. Ça aussi, c'est une urgence. Et si je peux, j'aimerais bien adresser cette question. J'étais supposé retourner à New York demain, mais je pense que l'occasion est heureuse. On va différer et vu la position de ceux qui avaient les anciennes rails, je crois qu'il y a une opportunité de redémarrer ce projet pour que le Burkina Faso puisse avoir des infrastructures nouvelles aux standards internationaux et durables. Merci. Merci. Autre chose? Oui. Merci, mon capitaine. Déjà, je voudrais commencer par savoir comment vous êtes. Vous avez déclaré votre identité, nous la connaissons depuis. Vous avez le titre. Je voudrais parce qu'interpeller sur deux dossiers. C'est la question de la sécurisation des véhicules et la question des stocks. Nous prenons bonne note que nous reviendrons sur ce point bientôt. Monsieur le secrétaire général du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Jean-Claude Zongo. Et je n'avais pas compris que d'autres personnes, en plus des RG, étaient convoquées à cette réunion, mais qu'à cela ne tienne, j'apprends ici qu'un dossier, notamment la construction du chemin de fer Accra-Ouagadougou, traînerait au niveau du ministère des Transports. Pas plus tard qu'en juillet, le dossier, la procédure qui avait été déclenchée au niveau du ministère et au niveau des autorités ghanéennes a été déclarée infructueuse et les deux États sont convenus de relancer la procédure et c'est en cours. Nous vous ferons un point exact et exhaustif sur cette question, mon capitaine. Merci. Vous allez le savoir, si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre chose? Oui. Ok, merci mon capitaine. Je me nomme Odiane Nicolas, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Je voudrais donc, avant de donner l'objet effectivement de point d'intervention fait le lien avec le précédent par rapport donc à ceux qui sont
bien entendu concerté par notre réunion. Et comme vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte urgent. Et tout est urgent, mais également nous devons avancer de manière sereine à s'assurer effectivement que les acteurs et qui sont sollicités, mobilisés, sont effectivement ceux qui sont présents, mais on peut lui les règles de l'administration pour qu'on puisse également s'assurer. Donc on avait compris que c'est une réunion entre vous et le secrétaire général des ministères et des institutions. C'est bon de vous conduire administratif de clarifier cet aspect des choses parce qu'il y a quand même un ensemble de principes et de règles également qui doivent permettre d'assurer une certaine cohérence, une certaine efficacité dans les interventions. Deuxième point, c'est en lien avec donc, le budget, le projet de budget 2023. Alors, comme vous le savez, c'est élaboré selon donc, une démarche, une procédure, et un calendrier, et ce projet donc, devait être soumis donc, en conseil des ministres le 28 septembre passé. Et il a dû être reporté, effectivement. Et comme vous l'avez dit, on reviendra certainement par le ministère avec des dossiers spécifiques, mais je souhaitais attirer votre attention sur le fait qu'il y aura également urgence à ce niveau, donc, par rapport donc, à toute la procédure, à toute la démarche, effectivement, donc, à mettre en place, pour accélérer également à ce niveau, au regard de certaines exigences pour permettre la mise en place de ce budget et permettre son exécution, donc, en 2023. Donc, merci bien, au capitaine. Merci. Bonne mission. Merci. Autre chose? Oui. Bonsoir, mon capitaine. Victoria et Marc. Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est par rapport à la mesure de réquisition donc, des PICAP. L'essentiel du parc des médias publics est composé de 4-4. Donc, on va recenser et on va mettre à votre disposition, nous aussi nous sommes à vos côtés pour la lutte, puisqu'il faut aussi informer la population et communiquer et passer les messages. Donc, je voulais savoir jusqu'à quel niveau ou bien s'il faut une exécution stricte donc, de cette disposition pour qu'on puisse voir comment avec les équipes s'organiser en fonction donc, de cette mesure. Merci et bonne mission à vous. Merci, M. le citoyen. D'abord, j'espère que ce n'est pas pour réquisitionner tous vos véhicules. Hein. Voilà, il y en a qui en ont beaucoup, d'autres pas. Donc, le combat pour que j'insiste, même si tout ça n'a pas. Il y en a qui en ont qui n'utilisent pas trop. Il y a des petites pannes qui ont déposé. Merci beaucoup, le capitaine. Merci. 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 Je vous en prie, allez-y. Directeur, mon capitaine, je suis Edgar Sou, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité. Alors, l'administration du territoire connaît des situations urgentes qui n'attendent pas. À travers donc, la gestion des circonscriptions administratives que sont les régions, les provinces et les départements. Il y a également la situation sécuritaire au niveau donc, de nos villes. En attendant donc, la prochaine rencontre, est-ce qu'il serait possible d'avoir un point de contact qui nous permettrait donc, de gérer les urgences auxquelles nous ferons face pour avoir donc, la conduite à tenir? Merci, mon capitaine. Très bien. Vous avez déjà une urgence. Vous savez de quoi je parle. De l'autre côté. Sur la RN1. Tout à fait. C'est résolu? Pas encore. À la sortie de cette rencontre, je pense que les instructions seront données. Ok. Faites tout de communiquer avec la population. Tenez la doléance. Vous voyez ce que nous pouvons faire. Les gens n'arrivent pas au matin d'esprit. D'accord? Bien reçu, on va communiquer, communiquer. Donc, j'attends de voir la suite à la sortie. J'espère que tout sera bien. Merci beaucoup. Votre intervention, oui? Vous avez demandé d'arriver à un rythme pour ce qui concerne l'exécution des
indépendant. On aimerait savoir, étant donné que nous sommes chargés d'expédier les affaires courantes, quel serait votre niveau de responsabilité? Merci, mon capitaine. Merci beaucoup, madame. Ok. Niveau de responsabilité. Ah, c'est dans le même sens? Dans le même sens? Allez-y, allez-y. Merci, madame. Oui. Monsieur Estelle Dambélé d'Abidé, je vous invite à la santé. C'était un peu pour savoir, d'ici les prochaines instructions, d'avoir des partenaires des réunions qui concernent des responsabilités qui doivent venir de l'extérieur. Est-ce qu'on peut continuer à les préparer? Est-ce qu'on peut continuer à organiser ces rencontres? Merci. Merci. Ça part dans le sens de la responsabilité aussi. Donc, il n'y a pas de ministre pour l'instant. Vous assumez la responsabilité. Les réunions en cours, faites-les. D'accord? Ce que vous devez recevoir, c'est le projet que vous devez continuer à exécuter. Continuez jusqu'à ce qu'on voit clair dans tout. Merci. Bonne chose, d'accord? D'accord. Donc, merci beaucoup. Il y a déjà des choses à faire. Nous allons prendre la liste de présence et le répertoire avec les SG du gouvernement. Sûrement, nous allons contacter. Pas que chacun aura son vis-à-vis dans le groupe, mais dans le groupe. Voilà, vous aurez des points propos qui vont donc traiter avec vous sur certaines questions. En attendant, un nouveau gouvernement soit mis en place. Prise de contact, mais aussi avec des sujets intéressants. Donc, les SG, gouvernement. Parce que vous avez été interpellé indirectement. Mais donc, régler ça hein, tranquillement. Il n'y a pas de. Vous avez compris, non? Capitaine, je n'ai pas bien saisi. Vous avez été interpellé indirectement? Oui. Voilà. Donc, prochainement, prenez ça en compte. D'accord. Pour ne pas faire de frustration. D'accord? Merci. Merci. Ok. Sur ce, nous allons aller vers la deuxième.